Thank you.
50 là, on a trouvé les restants de la chapelle. Comme bon, on a reconstruit la chapelle juste à côté de l'église Saint-Jean-de-Chantal. L'église Saint-Jean-de-Chantal, elle a été construite en 1774, c'est-à-dire 100 ans après la construction de la chapelle. Vous voyez un peu dans le temps, là, combien ça a pris ça un peu à se développer. Le lac Saint-François, là, tout courant, avant la construction des canaux. On est conscient de l'eau à moi, depuis 1945. Avant ça, on l'a traversé dans les rapides. Le premier canal qu'il y a eu, vous pouvez le voir en photo du lac, puisque le site du port, là, du côté du lac, il est laissé du premier canal qu'il y a eu dans le port en Amérique du Nord. C'est un des premiers canaux. Je pense que c'est le premier canal qu'il y a eu en Amérique du Nord. C'est pas large, là, c'était moins de 2 mètres de large, puis même pas 1 mètre de profondeur. Traverser les rapides puis à côté de ça. Suite de ça, ils ont vu que ça n'avait pas d'allure. Pour les bateaux qui devenaient plus grands, ils ont construit le canal de Chine, ils ont construit le canal qui relie le lac Saint-François et le lac Gris, puis ils ont construit le canal de Bois-Mort de plus tard. Je dirais, c'est ça, c'est en 1845. Ils ont agrandi le canal. Ça a été devenu visuel là, au 1899. Là, ils ont construit le canal de Bois-Mort, c'est plus large, 20 km de long. Puis, c'est pas mal ça pour l'histoire de la seigneurie de l'Équerreau. Je vais vous laisser vous prendre un peu sur le bateau. Vous pouvez aller à la right here in the other side of the island.